Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Speed Design. Comment allez-vous? Pour un nouveau tutoriel sur Windows Live Movie Maker. Comment faire une intro avec Windows Live Movie Maker? Donc, vous aurez Windows Live Movie Maker. En anglais, c'est Windows Live Movie Maker. Vous allez importer une vidéo. Moi, j'ai importé une vidéo où il y a des flammes. Donc, quand on la regarde, c'est très casse-couille, hein. Rien de bien extraordinaire, des flammes et des flammes. C'est pas très joli, hein, vous en faites pas. Ce sera pas ça votre intro. Vous allez au début. Vous faites définir le point de début. Et si vous voulez que votre intro dure genre 8 secondes, vous allez à 8 secondes et vous faites définir le point de fin. Et voilà. Maintenant, votre vidéo fait 8 secondes. Magique, non? Bref. On va maintenant mettre un texte parce que bah voilà quoi, on va pas mettre des flammes qui durent 8 secondes en intro. Donc vous cliquez sur légende, vous mettez le nom que vous voulez. Je vais mettre speed. Non, ça marche pas. Design. Si ça marche, c'est magnifique. Vous mettez la couleur que vous voulez. Je vais mettre jaune, vous mettez 48. Bon, selon la grosseur de votre texte, non. Changez un peu la couleur, en fait, je vais mettre orange. Ouais, voilà, comme ça. Donc voilà, vous prenez votre texte, vous changez la police si vous voulez. Vous changez la police si vous voulez. On va mettre celle-là, quoi, l'estime. Donc, vous sélectionnez toujours taille du contour, moyen, couleur du contour, noir. Stylé, non? Ouais, je trouve ça stylé, moi. Voilà, une petite apparition comme ça. On va voir l'effet. Non, c'est moche. Donc, vous allez choisir un effet. Vous prenez bah, celui que vous préférez. Moi j'ai pas vraiment de préférence, hein. Je vais prendre genre Speed Design. Voilà un truc stylé. Donc, il faut savoir si vous entendez des bruits de fond, c'est Bichiza qui fait le trisomique que vous avez pu voir dans ma vidéo précédente. Salut à tous, c'est Bichiza. Donc voilà, vous en faites pas, hein. Si vous entendez un trisomique parler, c'est lui. Donc moi je vais choisir ça, le zoom avant. Fais voir. Ouais, c'est pas mal. Non, mais enlève ta s'il te plaît. Ouais, excusez-moi. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, rien de plus simple, on va juste rajouter un son. Ajouter de la musique, sauf qu'on va pas mettre de la musique. Voici, on pourrait, mais moi je préfère faire un truc plus stylé. C'est que vous allez aller dans votre pack des VFX, vous allez je reprendre la musique de Century Fox. Bon, mon PC est un peu bugué sur le son, mais c'est pas grave. Enfin voilà, vous pouvez faire très bien comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai pris plaisir à le faire, donc n'oubliez pas de mettre un like ou de vous abonner. Ou de carrément mettre la vidéo dans vos favoris. Donc voilà, allez, salut tout le monde, c'était Monsieur Speed Design. Avec Bichizac. Ta gueule.